Brazilian artist Sérgio Belo belongs to a group of artists and intellectuals who advocate for the preservation of the earth, nature, and animals. His artwork is not created solely for contemplation. It allows us to understand the need to defend our environment and to establish a dialogue between man and nature. Les arbres crient contre l'arboricide. Les forêts sont en train de disparaître. La terre est outragée. Les hommes sont en train de perdre le lien avec la nature. Les forêts sont de plus en plus saccagées. Un exemple de ce que j'ai dit, c'est l'Amazonie, qui est en train de diminuer de plus en plus à cause des déforestations, avec la déforestation de l'hiver. Je considère la forêt comme les poils de la terre, comme les plumes des oiseaux. Le corps d'oiseau a besoin de cette protection qui est les plumes. La forêt est une protection pour le corps de la terre, comme les poils de la terre. Et à ce sujet, j'ai fait déjà des œuvres que j'intitule Le poil de la terre ou La terre déplumée, parce que je fais allusion à la terre comme un corps qui n'est pas simplement le corps qui abrite la biodiversité, mais comme le corps d'un oiseau, comme le corps, un corps vivant qui a besoin d'être préservé, qui a besoin d'être regardé d'une manière plus affable. Les hommes sont en train de perdre le lien avec la nature. Ce qu'il faut changer, c'est qu'il faut que les hommes soient plus liés à la nature, à la mère nature. Il faudra qu'on soit davantage proche de la terre mère de tous les peuples. Il faut que les hommes comprennent que la terre, c'est notre terroir, c'est notre avenir à tous. Que va-t-on laisser pour nos enfants? On ne va pas laisser une terre complètement saccagée, on ne va pas laisser une terre complètement polluée, invivable. Parce que la terre peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans la terre. J'ai décidé d'être un peintre cri-douleur, une peinture du cri, et le cri en question, le cri de la terre. Plus que jamais, on doit être engagé pour la terre. Quand je parle d'engager, engager d'un point de vue philosophique, pas d'un point de vue politique, parce qu'un artiste ne doit pas être un illustrateur d'un discours idéologique d'un parti politique. Un artiste doit être universel. Et en tant qu'universel, je pense que c'est un thème bien porteur, la situation de la Terre. Comment faire avec notre planète, la Terre, et notre unique habitation. J'ai décidé de transformer cette anxiété qui est la mienne en un travail qui crie contre cette réalité. Et j'ai décidé d'être persévérant, de lutter pour cette voie. Et comme l'eau qui est molle, mais qu'elle frappe la pierre et la fissure. L'art doit questionner sur les problèmes actuels. La peinture n'est pas simplement une affaire visuelle. La peinture, ce n'est pas simplement pour le regard, pour regarder. Elle peut aussi dégager quelque chose d'intérieur qui est au-delà de l'image elle-même. Léonard de Vinci disait que la peinture n'est pas une affaire visuelle, elle est une affaire mentale. Et en étant une affaire mentale, elle doit non seulement dégager ce qu'on voit, mais ce qu'on veut montrer au-delà de ce qu'on voit. Il y a quelque chose de une image derrière l'image qu'on voit. Et la peinture doit dégager ça. Et comme mon sujet d'inspiration est un sujet sur l'environnement, j'aurais voulu que mon discours intellectuel soit un écho
logique avec la logique que je critique. Comme la peinture n'est pas une affaire visuelle, elle est une affaire mentale, je veux que ma peinture soit vue et que l'image qu'elle dégage rentre dans la rétine, qu'elle va jusqu'au cerveau, qu'on réfléchisse, que fait-on avec la terre? Si je parle du cri de la forêt, si je parle du cri de la terre, si je parle du cri de la biodiversité, c'est évident que je vais parler des animaux, microscopiques ou macroscopiques, et les hommes. C'est nous les habitants de la forêt, c'est nous sommes tous les habitants de la jungle. Et c'est normal que les cris des animaux soient représentés dans cette œuvre comme une partie centrale, comme si la nature elle-même, à travers le cri de cet animal qui crie avec la bouche ouverte, avec tous ses dents prêtes à mordre, c'est comme si la nature elle-même criait, comme si elle-même interpellait par rapport au feu, par rapport à la destruction et par rapport à tout ce que les hommes sont en train de faire avec la nature. C'est un cri de protestation, c'est un cri d'avertissement. Et moi, en tant qu'artiste, je lance mon cri tragique, dramatique, mais surtout un cri d'advertance et non pas un cri pessimiste.